Un petit discours finalement. J'inviterai le maire de Joliette, M. René Lorrain, à venir nous dire un petit mot. Alors, René. Bonsoir, chers amis, et bonsoir, chers Joliettins. Mais il y a beaucoup d'invités ce soir, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement de Joliette, qui sont soit du Grand Joliette, soit de l'extérieur, j'en ai vu, qui sont des autres villes de la province de Québec. Alors, soyez les bienvenus chez nous. Et quand Bruno dit que le pré-festival, ça commence à Joliette, on est content. On est content parce que le pré-festival, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Et les bonnes nouvelles, c'est bien rare que ça part ailleurs que Joliette. Alors nous, on est content, on est fiers de ça. Les Joliettins et Joliettaines sont fiers de leur ville. On a une belle ville, on continue de l'améliorer. On espère que vous allez le dire à vos amis et qu'ils viennent nombreux chez nous. Le festival de mémoire et racine, j'espère que ça continuera d'être un exemple pour d'autres activités qui pourraient être régionales, et qui pourraient être appuyées par les autres municipalités de la région. Joliette, ce n'est pas seulement Joliette, c'est le Grand Joliette. Et plus on aura d'activités comme celle de ce soir, comme celle de cette fin de semaine, comme le Musée d'art, comme le Festival à l'Amphithéâtre, comme le Centre culturel de Joliette. Plus on aura d'activités comme celles-là qui sont régionales, plus on attirera de gens de la province qui vont venir chez nous. Puis chez nous, c'est pas seulement Joliette, c'est Saint-Charles, l'homme des Prairies, Saint-Amboise, Grand-Prix, Saint-Paul, c'est tout le territoire de la MRC. Donc, bienvenue chez nous. Nous vous accueillons avec beaucoup de chaleur et grand plaisir. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine à mémoire et racine. Merci beaucoup.